Et le thème de ce teaser est la Lidée. Durée du teaser, 2 minutes. C'est la ligue d'impro des étudiants enjoués. Ligue d'impro de Cergy, Pontoise. Le festival Impro 14, on y participe parce que c'est l'occasion de rencontrer plein d'équipes d'un peu partout en région parisienne. C'est très intéressant parce que la plupart, y a beaucoup d'équipes à Paris et en région parisienne. Du coup, c'est l'occasion de se rencontrer à travers ce festival. Non, mais arrêtez, moi j'adore mon équipe, vraiment, je trouve qu'on joue bien et qu'on s'amuse bien ensemble. Vous êtes où? Les valeurs de l'impro, c'est vraiment des valeurs de respect de la personne avec qui on joue et de partage de l'histoire et de tout ce qui est... c'est vraiment tout le contraire de l'égoïsme, en fait. L'égoïsme en impro, c'est tout le contraire de ce qu'on veut véhiculer. Je te fais des rognons, ton plat préféré. Ah, j'adore ça, les rognons. Ça prend dans combien de temps? Oh, dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Pour les impros. Bah, parfait. Bah, ça va, un problème avec les rognons, peut-être? Non, mes rognons vont très bien. Bah, parfait. L'improvisation théâtrale, c'est pas que du rire, c'est de tout en fait. Il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait des belles histoires, il faut qu'il y ait des sentiments, il faut de tout en fait. C'est ça qui est bien, c'est complet quoi. Aux autres équipes d'Impro 14, je leur dirais amusez-vous bien, nous on arrive le dernier soir, le samedi, donc chauffez-nous bien la salle, et nous à la fin, on viendra tout exploser. Le festival Impro 14, du 31 mars au 6 avril 2014. Présenté par Pierre-François Ricard et Casal 14. Toutes les informations sur Facebook ou sur le site Impro 14, www.festimpro14.fr. Ça va être la folie, vous allez être des millions, et nous, on va cartonner, on va envoyer du pâté comme on dit.